Amen. Amen. Donc, vous et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien, c'est toujours merveilleux de pouvoir se retrouver dans la maison de notre Seigneur et de chanter les chants de Sion, la louange de son Saint-Nom. Car il est bon, car il est vraiment merveilleux. Amen. Il est notre Dieu, et il nous soutient. Et comme l'Écriture le dit aussi, il est un secours. Il ne manque jamais au Amen. Amen. Nous comptons réellement sur sa bonté. Nous comptons réellement sur son amour. Il est un homme. Amen. Il est vraiment notre Père, notre Consolateur. Amen. Il est réellement aussi notre guide. Amen. Et c'est lui qui nous conduit vers le bon port. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous accrochons certainement à lui, parce que nous avons trouvé qu'il est vrai. Amen. Tout ce qu'il dit est aussi vrai. Lorsque nous nous sommes approchés de lui, nous avons trouvé la consolation. Nos cœurs étaient troublés, mais il nous a donné la vie. Nous étions dans le palais de l'ombre de la mort, mais il nous a rassurés. Pouvoir nous secourir et aussi de nous mettre aussi au large, nous accorder réellement le salut. Amen. Il est vraiment le bon berger, comme mon précieux frère le disait tout à l'heure, il est le seul bon berger. Amen. Il n'y a de bon que lui seul. Amen. Et c'est au travers de lui que nous pouvons aussi recevoir aussi la grâce d'être aussi bon. Amen. Et comme l'Écriture le dit, il est vraiment amour. Amen. Et il a manifesté cela alors que nous, nous ne le connaissions pas, nous ne l'aimions pas, mais lui nous a aimés. Amen. Or que son nom soit béni. À cause de cet amour-là, notre cœur a été touché. Amen. Il a déversé aussi son amour à nous. Amen. Pour qu'en retour, nous puissions aussi nous aimer. Amen. Et surtout l'aimer d'abord. Amen. Parce que lorsque nous l'aimons de tout notre cœur, Amen. Nous pouvons aimer nos frères et sœurs. Amen. C'est merveilleux de connaître ce Dieu et de pouvoir être un peuple qui est lui-même conduit. Et d'être rassuré que c'est sa main puissante qui nous soutient, qui nous conduit dans ce chemin pour que nous puissions réellement aussi rentrer à la maison. Alors j'aime bien ce cantique, j'en parlais avec mon frère, je pensais avec mon frère des fois, je pense que c'était vendredi. Tu vois, c'est notre frère Jonathan, le jour des gloires, c'est cela. Nous désirons tant. Amen. Parce que nous voulons rentrer à la maison. Amen. Nous le remercions pendant le temps que nous sommes sur la terre. La grâce qu'il nous accorde de pouvoir réellement voir sa main puissante. Sur cette terre des hommes, comme la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Nous sommes un peuple béni, un peuple heureux. Et sur cette terre, nous devons réellement nous réjouir de ce que nous avons un puissant rédempteur. Dans toutes les circonstances, il est toujours là. Il n'y a aucune puissance dans ce monde, il n'y a aucune puissance même dans les bas-fonds. Qui peut terrasser un fils. Parce que lui, il est le grand aigle. Et nous sommes les aiglons. Le grand aigle veille sur sa vie. Que le danse. Le savoir qu'il veille. Et celui qui vous touche le touche aussi. Donc moi, la Bible dit, ayez foi en Dieu. Nous devons avoir foi en lui. Parce qu'il est monté dans les hauteurs. Alléluia. Quand Satan pointe du doigt, lui l'intercède. Amen. Amen. Frères et sœurs, quelle grâce de pouvoir avoir Dieu lui-même. Amen. Il dit, mais qui nous condamnera? Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir réellement être conscients de la grâce de ce que Dieu s'est donné aussi pour nous. Amen. Pour que nous, nous puissions devenir fils de Dieu. Amen. Et d'avoir cette nature de Christ en nous. Ce matin, je suis heureux parce que mon frère, il défonce, m'a émis un mot. Notre soeur Bambino et son mari, notre bénévole frère Noël, ils sont ici ce matin pour présenter l'enfant. Amen. Quelle joie. Amen. Quelle grande consolation. Amen. Et tout notre cœur, nous sommes heureux pour cela. Amen. Nous avons aussi notre frère Sylvain et notre soeur Patience aussi pour présenter aussi l'enfant. Combien il est bon. Amen. N'est-il pas merveilleux? Amen. L'ennemi frappe Dieu. Amen.
réconsole. Amen. Quand Satan a dit, je vais détruire Job et ses enfants, Amen. Dieu a dit, je garde ses enfants. Je veux lui redonner la parole. Que son sang soit. Il est vraiment un consolateur. Amen. Un puissant vainqueur. Amen. Un cidère. Considérer ta parole à toi. Amen. Et de voir combien tu es merveilleux, mon bien-aimé Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce matin, mon Père. Que ton nom soit glorifié, ô notre Dieu. Pour ton amour et ta bonté, mon bien-aimé Père Saint. Parce que tu es vraiment le puissant consolateur, Père. Oh Dieu, merci pour mon précieux frère Noël, Père. Merci, mon précieux soeur Bambino, bien-aimé Patrison. Cette famille, mon bien-aimé Père, oh Dieu, dont l'ennemi aille pouvoir frapper, mon Seigneur, mon Père. Mais ils sont accrochés à toi, mon bien-aimé Père, demeurant ferme dans la foi. Oh Dieu, tu l'as consolé, mon bien-aimé Père, tu disant, mon Dieu, que ton nom soit béni, Père. Béni, glorie, mon bien-aimé Père, tu disant, cet enfant, mon bien-aimé Père, que tu as déposé, mon bien-aimé Père. La grâce dans la maison de mon frère et de ma soeur, Père, qu'elle soit bénie au nom de Jésus, mon bien-aimé Seigneur, sauveur. Que dans le jour du ciel, l'accompagne en droit sa vie, bien-aimé Père. Qu'elle soit parfaite santé, mon bien-aimé Père, tu disant, qu'elle soit bénie et protégée, qu'elle est ta main, bien-aimé Père. Oh Dieu, comme un puissant vainqueur, mon bien-aimé Père. Que ta grâce à toi la couvre encore davantage, mon Seigneur. Tu es réellement digne d'être béni, mon bien-aimé Père. Oh Dieu, qu'elle soit victorieuse, mon bien-aimé Père. Que ta mère soit victorieuse, mon bien-aimé Père. Que ton nom soit exalté, mon maître béni, Père. La victoire, tu l'as accompli, mon bien-aimé Père. Tu as démontré que tu es le Dieu de cette famille, mon bien-aimé Père. Mais sois confié à toi, mon bien-aimé Père. Tu as prouvé. Béni, victorieux, mon bien-aimé Père. Béni, glorieux, mon bien-aimé Père, Dieu. Que ton nom soit béni encore ce matin, Père. Toi, tu es digne de gloire, mon bien-aimé Père. Qu'elle soit bénie toute éternité, mon bien-aimé Père, Dieu. Que ta bénédiction demeure dans cette maison, mon Père, mon frère, ma soeur, Père, Dieu. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse. Oh, quelle bonne nouvelle. Nous allons prier. C'est aussi deuxièmement, c'est le mariage aussi. Amen.
Précieux Sauveur, je voudrais te dire encore merci. Quel jour merveilleux, Père. Que le grâce, mon bien-aimé Père puissant, ce couple est un témoignage, mon Sauveur béni. Merci pour mon précieux frère Noël, Père. Pour ma bien-aimée soeur, Seigneur, et leurs enfants. Seigneur, que ce couple soit réellement aussi béni, mon bien-aimé Père. Ils sont aussi un témoignage pour beaucoup, mon Seigneur. Dans la foi, dans la guérison, essayez de demeurer, bien-aimé Père puissant, avec autant d'amour pour ta parole, ta bien-aimée Père Saint. Seigneur, que ton nom soit exalté. Qu'il soit béni, mon bien-aimé Père Saint. Qu'il soit fortifié, mon bien-aimé Père Dieu. Garde la bonne santé à ma soeur, mon frère, Seigneur, et leurs enfants, Seigneur, bien-aimé Père Dieu. Qu'il soit les bonnes enfants, mon bien-aimé Père puissant. Que leur maison remplie de mon bien-aimé Père, de mon bien-aimé Père, soit aussi béni, mon roi. Nous t'avons ainsi prié et remercié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Considère sa parole, considère ses promesses. Ma soeur, mon bénévole Patrice, mais tu es le Dieu qui a gardé ta servante à toi, mon bénévole Père. Voyez l'amour de mon précieux frère et ma soeur, bénévole Patrice. Oh Dieu, pour ta parole à toi, mon bénévole Père. Oh Dieu, tu as posé des problèmes de ton enfant béni, mon bénévole Patrice. Et l'Israël dans sa maison, mon bénévole Père. Oh Dieu, qu'Israël soit béni, mon bénévole Père. Dans le lycée, mon bénévole Père Saint, qu'il soit gardé par ta main puissante pour moi, parce que tu es le Dieu d'amour, mon bénévole Père. Le Dieu qui garde, le Dieu qui bénit, bénévole Père. Aussi, mon bénévole Père, tu dis ça. Tu connaissais ta fille, bénévole Père, à ton enfant, bénévole Père. Louange et honneur à toi, mon bénévole Père. Que l'enfant soit béni, mon bénévole Père. Qu'il soit gardé, protégé par ton bénévole Père. Pour toute maladie, mon bénévole Père. Souviens-toi de l'avoir prié pour lui, bénévole Père. Afin qu'il soit entre tes mains gravées, bénévole Père, oh Dieu. Caché dans le cœur de ta main, bénévole Père, oh Dieu. Tu n'as pas changé, mon roi. Louange et honneur à toi encore ce matin, Père. Nous sommes heureux d'avoir cette bénédiction parmi nous, bénévole Père, oh Dieu. Tu bénis, mon bénévole Père. Tu rafraîchis, mon bénévole Père. Oh Dieu, fais comme mon bénévole Père, tu dis ça. Parce que tu es réellement l'éternel compatissant, bénévole Père. Dieu miséricordieux, roi. Louange et honneur à toi encore ce matin. Je t'ai ainsi prié pour mon frère, pour nos enfants, bénévole Père Saint. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous réjouissons de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous bénit. Amen. Il nous donne des enfants. Amen. Et c'est aussi une grande victoire pour nous. Amen. De voir réellement que le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce jour, continue à pouvoir manifester sa grâce. Amen. À l'endroit de nos frères et sœurs aussi. C'est vrai, la Bible dit qu'il essuiera toutes nos larmes. Amen. Nous remercions vraiment pour cette grâce et cette bonté. Car il est l'Éternel, notre Dieu a dit, je suis l'Éternel et je ne change point. Qu'il bénisse chacun de vous tous qui priez pour nos frères et pour nos sœurs. Parce que lorsqu'une sœur va accoucher, elle a besoin qu'on puisse prier. Parce que l'ennemi aussi est en train de rôder. Mais notre Dieu veille. La prière du juste est d'une grande efficacité. Nous devons continuellement garder aussi nos frères et sœurs dans nos prières, dans nos cœurs, parce que nous voulons combattre aussi avec eux. Leur combat est aussi le nôtre. Leur joie est aussi le nôtre. Leur bonheur est aussi le nôtre. C'est pourquoi nous devons vraiment nous porter mutuellement dans notre cœur, les uns les autres, et avoir souvent aussi, surtout, beaucoup d'amour les uns à l'endroit des autres. Nous remercions ce matin de ce que nous pouvons encore nous tenir dans sa maison pour aussi entendre sa parole et aussi apprendre de lui ce qu'il attend de nous. Car le jour approche. Ce que nous pouvons réellement être aussi certains que la venue du Seigneur est vraiment certaine. Et comme les Saintes Écritures nous l'ont fait part, et tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui connaissaient effectivement aussi ce que le Seigneur avait dit, et ce qu'il avait aussi annoncé aussi, il pouvait dire avec certitude que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un milieu obscur. Donc nous devons réellement prêter attention à ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir nous dire effectivement dans les Saintes Écritures, dans les choses, parce que vous devez savoir, nous devons tous être conscients de ceci,
Et nous ne sommes pas comme ceux-là qui se rassemblent pour simplement pour une réjouissance quelconque, une association quelconque, mais nous sommes un peuple qui, lorsqu'il se rassemble, a besoin de pouvoir réellement connaître ce que son Dieu nous veut et ce que son Dieu est en train de pouvoir faire, et que le Seigneur Dieu lui ouvre aussi les yeux pour qu'il voie. Amen. Pas que nous voulons inventer des choses, mais sur base de ce que Dieu notre Seigneur nous a dit, et avec son aide, effectivement, que nous puissions voir dans ce plan, dans son programme établi, où est-ce que nous en sommes. Amen. Et le Seigneur ne nous a jamais laissés seuls, il a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin. Amen. Et s'il est donc avec nous, c'est aussi pour continuer à pouvoir nous parler, Amen. Afin que nous puissions nous préparer, comme l'Écriture dit, son épouse s'est elle-même préparée, l'épouse de Christ, l'épouse de Christ. Donc une épouse, quand elle est l'épouse, elle doit être soumise. Donc elle doit vraiment être soumise à ce que son époux lui dit. Et c'est cela ce que la Bible fait parler, effectivement, en montrant le corps de Christ avec Christ lui-même. Donc, dans le corps, effectivement, le corps de Christ, c'est cela l'Église, c'est cela l'épouse, effectivement. Et ce corps doit totalement être soumis à l'époux qui est Christ, notre Sauveur, à la tête. Ce qui veut dire qu'elle doit arriver à pouvoir également, lorsque l'époux dit quelque chose, alors l'épouse, effectivement, parce que, vous savez, il y a quelque chose que nous pouvons arriver à pouvoir comprendre, qui est tellement si important. C'est dans Éphésiens au chapitre 5, je pense que c'est cela, où le Seigneur lui-même dit effectivement qu'il va se présenter à lui-même une épouse sans tache. Il n'est rien de semblable, non. Donc, je voudrais juste lire cette écriture pour nous revenir dans Éphésiens très bien, et ce chapitre 5 ici. Il nous montre cela en je crois que c'est Éphésiens au chapitre 5. Oui, c'est cela. Il dit, verset 25, il dit, Marie aimait donc vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Alors, vous remarquez très bien que l'Écriture le dit comme cela, et puis au verset 30, nous pouvons lire cela, verset 29, on dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, et dans de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Si vous remarquez très bien, cela nous conduit effectivement à retourner dans le livre de la Genèse, hein, chapitre 2, je pense que c'est cela, où le Seigneur, notre Dieu, nous montre comment les choses s'étaient donc passées pour montrer cela. Regardez très bien cela dans le livre de la Genèse. Il dit ceci, le livre de la Genèse, il dit c'est chapitre 2. Il dit, d'abord je voudrais lire au chapitre, d'abord je suis chapitre 2, je voulais lire, regardez bien, il dit, verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai donc une aide semblable à lui, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir, comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair, on l'appelle la femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans Genèse au chapitre 1, nous lisons effectivement ici, au verset 26, il dit, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image.
Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Au chapitre 2, verset 1, dit, ainsi donc furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit dans le septième jour et le sanctifia. Parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici donc les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient, et il mit donc ainsi. Donc, voyons en réalité ce que le Seigneur a eu à pouvoir aussi exprimer dans Genèse au chapitre 1 et puis Genèse au chapitre 2, en rapport effectivement avec l'homme qu'il a créé. Et lorsqu'il a créé cet homme, nous voyons qu'au chapitre 2, il nous montre que quand il a voulu lui donner une aide, qu'il soit semblable, il a pris effectivement une partie de l'homme. En réalité, nous l'avons lu dans Genèse chapitre 1 pour voir effectivement que quand il créa l'homme et la femme. Ce qui est écrit ici, hein? Je vais lire encore. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles et les qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc nous voyons que réellement, que lorsque cet homme avait été créé, Dieu savait effectivement ce que l'homme allait avoir comme désir. Et la Bible dit que lorsque le temps était arrivé, que le Seigneur a observé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a donné donc effectivement cet homme pour lui donner ce qui était nécessaire. Ce qui était nécessaire à l'homme n'était nulle part ailleurs. C'était dans l'homme. Amen. Alléluia. Donc c'était une partie de l'homme qui faisait partie de lui. Et si vous suivez, frère. Amen. Vous voyez, cet homme ici que Dieu a créé, il vivait, il marchait effectivement. Il était là, il était dans ce jardin effectivement. Mais il avait quelque chose en lui. Et cette chose-là, effectivement, était en harmonie avec lui. C'est vrai, non? Parce que c'est ce que la Bible dit. Donc, cela, il marchait, il vivait, tout était en harmonie avec cet homme. Il n'y avait pas de problème, tout était bien, effectivement. Mais quand Dieu l'a regardé, effectivement, il a voulu donner quelque chose qui lui plaît. Auquel il serait heureux, effectivement, et dans la joie. Il a regardé tous les animaux, les chats, les chevaux, tout ce qu'on peut mettre sur la terre, regarde. Parce que cela a été créé avec autre chose. C'est vrai, non? Amen. Et là, il dit, mais quelle est la chose que l'homme peut aimer, lui, qui peut lui apporter, effectivement, de la consolation, la joie, la paix. Et c'est la chose qui lui appartient. Amen. Il peut simplement le consoler. Amen. Il dit, mais je vais le faire endormir. Je vais simplement prendre la chose qui est à lui. Et il a pris cette chose qui est de l'homme. Et il forma effectivement la chair, effectivement, comme la Bible dit. Et il amena donc cette personne, c'était la femme. Quand Adam a pu voir, effectivement, il dit, mais voici celle qui est hausse des eaux et chair de ma chair. Maintenant, vous savez cela, puisque vous connaissez aussi les saintes écritures. Puisque c'était hors de ses eaux, chair de sa chair, il fallait qu'il puisse avoir l'esprit. N'est-ce pas vrai? Alors, l'esprit femelle qui était donc dans l'homme, tout est parfait. Amen. Donc, il n'est pas allé ailleurs, dans l'homme. Il prit cela, effectivement, et il plaça dans cette femme. Pourquoi, mon frère? C'est pourquoi. Quand la Bible dit cela, c'est important qu'on comprenne que
lorsque, comme le serviteur le montre avec Christ, parce que l'image avec Christ, quand Christ dit quelque chose, il est impossible, absolument impossible, qu'un membre de son corps fasse le contraire. Amen. Non, parce que chaque membre du corps de Christ prend plaisir. Amen. Pourquoi mon frère? Parce que c'est sa nature. Amen. Donc la femme était dans Adam. Mm. Donc tout ce qu'Adam pouvait vouloir, c'était la joie de Ève. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc parce que c'est une partie de lui, donc c'est sa partie. Donc, c'est ça effectivement. Ce qui marque l'église est d'une importance capitale, mon frère et ma soeur, pour que vous compreniez que nous ne nous rassemblons pas pour jouer au jeu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est d'une importance capitale. Et Dieu, si s'adresse à toi, ce dont il faut absolument que tu t'examines au plus profond de toi-même, j'ai toujours dit, frère, ne vous trompez pas vous-même par les faux raisonnements. Chacun de vous, parce que frère et soeur, tu ne vas pas être surpris pour aller en enfer. Tu seras conscient que je vais en enfer. Parce que si la mort te frappe aujourd'hui, tu n'auras pas. À moins que tu tombes toi-même en disant, je fermerai mes yeux, je serai au ciel. Mais avant que tu ailles au ciel, tu connais quand même les exigences de celui qui est au ciel. Amen. Même si vous allez vous attacher dans les religions pour dire, bon, je me couvre la religion parce que la religion permet cela, il n'y a pas de problème. Mais ta conscience. Alléluia. Ton intérieur à toi. Amen. Les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, leur conscience. Parce que pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a quand même tout ce qui anime l'homme vient quand même de Dieu. Amen. Et puis même si Satan est venu et qu'il a souillé cette conscience, effectivement, vous connaissez, non? Il a fait ça. Pour qu'à une mort, vous ne puissiez plus voir pourquoi. Mais dans le bas-fond, il y a quelque chose qui reste. Vous savez ce que c'est? Vous savez, Satan peut tout faire, mais ça, il ne peut pas vous l'enlever. Vous savez ce que c'est? C'est votre libre arbitre. Amen. De pouvoir choisir que ça, je veux. Et ça, c'est ça qui fait de vous un être humain. Amen. Ça, je veux, et ça, je ne veux pas. Tu peux te posséder, effectivement, mais cette libre arbitre-là, vous direz, mes frères, regarde, c'est pas possible où tu nous amènes. Mais vous savez, les fous des Galara, ils dormaient dans le cimetière où les gens ne venaient pas passer par là. Donc enchaînés, casser les chaînes, effectivement. Vous vous souvenez, non? Amen. Non. Quand le maître, effectivement, sur son petit bateau-là, et puis arriva, il descendit de l'autre côté du bord. Et il commençait à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est allé prêcher cet homme-là. Il était dans le cimetière. Lorsqu'il a eu à pouvoir voir qu'il y a cet homme-là qui vient, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Il était conscient quelque part. Parce que s'il était resté dans le cimetière, il ne serait jamais délivré. Amen. Oui, c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Amen. Si la femme samaritaine était restée chez elle, on n'aurait jamais pu entendre parler d'elle. Alléluia. Oui. Vous voyez la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Donc, il y a quelque chose que Dieu a laissé dans le fond de l'homme, que Satan ne peut pas, il peut tout faire. Oui. Mais ton libre arbitre, jusqu'à ces jours, tu l'as, mon frère. Amen. C'est pourquoi tu peux dire oui. C'est pour ça que quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu sait ce que vous êtes. Parce que c'est toujours là de pouvoir accepter ou refuser, insulter, critiquer. Vous l'avez. Si vous voulez le critiquer, mais ça viendra aussi automatiquement. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre encore, il viendra aussi automatiquement. Ça dépend de ce que vous désirez. Parce que le choix est toujours entre vos mains. Quand cet homme a quitté le cimetière, c'est comme ça qu'il a été délivré. Et Dieu lui a accordé réellement la grâce de pouvoir retrouver ça. Donc, nous pouvons retourner dans cela. Et que le Seigneur, notre Dieu, accorde cette grâce parce que ici, c'est pour ça que vous voyez, frères et sœurs, que sur ce point-là, c'est sans l'ombre d'un doute que le Seigneur est tellement sûr et certain, il dit, il va se présenter à lui-même. Il épouse sans tâche. Il dit, quel est semblable. Si toi, ça ne t'intéresse pas,
il a cette épouse-là. Amen. Parce que l'épouse, en vérité, reconnaît d'où elle est venue. Amen. Amen. Et pourquoi c'est toujours répété, dit, mais le message ne fera jamais de vous une épouse. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Le message te dit qui tu es. Amen. Te rappelle d'où tu viens. Amen. C'est pourquoi, quand tu entends, j'ai toujours dit, frère, n'allez pas forcer quelqu'un de dire, mais sœur porte des longues jupes, ne le faites pas. Amen. Sœur cesse de pouvoir faire ceci, ne le faites pas. Laissez la parole de Dieu. Amen. Amen. Si c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, frappe l'intérieur, la jupe s'allonge. Automatiquement, elle doit s'allonger. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu que je suis une reine. Amen. Une reine ne peut pas marcher tout nu devant tous les chiens. Non! Une reine s'honore. Une fille de Dieu secoue. Vous n'avez pas à vous faire des soucis, non! Prêchez la parole de Dieu. Amen. Comme la Bible demande de faire. C'est lui qui est de Dieu. Oh, il va entendre la parole. Amen. Il va venir. Amen. Il a dit, mes brebis entendront ma voix. D'abord, mais, soeur, ça fait des années, on te donne des conseils, tu ne changes pas. Laissez. S'il y a une semence de Dieu, elle va venir à la vie. Amen. Mais s'il n'y a pas de semence, vous frapperez comme vous voulez. C'est comme Judas l'Iscariote, il ne peut pas changer. C'est un fils de la perdition. C'est pourquoi vous devez toujours prêter attention en se disant, mais Seigneur, et quand je me tiens dans ta maison, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit, moi? Où est-ce que j'en suis par rapport à la parole? Je ne vais pas regarder le voisin. Non, dis-moi, moi. Qu'est-ce que je produis comme fruit? Frère, personne ne sera surpris. Hein? Surtout dans un temps comme celui-ci, pour dire, oh, je ne savais pas que je serais un enfer. Non. Parce que ton cœur à toi déjà, lorsque, vous savez, nous l'avons entendu autrefois, mais la Bible dit une chose que les jugements de Dieu commencent dans la maison. Amen. Amen. Que l'on commence déjà, si, déjà sur cette terre. C'est pourquoi ne vous fâchez jamais quand la parole vient et frappe vous condamne, glorifiez. Surtout Amen. Si toi, la parole de Dieu te touche, toi. Amen. Et que Dieu dit, mais toi, regardez ce que tu fais, oui. Glorifie Dieu. Amen. C'est une grâce. Amen. Que ce jugement te frappe déjà maintenant pour que tu sois justifié. Amen. Parce que quand maintenant ça vient que Dieu te montre, c'est-à-dire, ah Seigneur, pardonne-moi, tu te repens. Amen. Mais de l'autre côté, devant le trône du jugement. Il n'y a plus de repentance. Non. Mais ici, maintenant, là, nous sommes au temps de la grâce. Où dans sa maison, Dieu te dit, il dit, mais mon fils, ma fille, ça, c'est pas mon fort. Il dit, Seigneur, je ne savais pas, pardonne-moi, je m'écris devant toi. La repentance. Et comme Dieu aime pardonner, il ne se lasse pas de pardonner. Pendant le temps de la grâce. Amen. Parce que quand le temps de la grâce se termine, il n'y a plus de pardon. Amen. Donc, c'est comme cela que les Saintes Écritures ont montré que nous sommes dans un temps qui est favorable. Et là, vous pouvez aussi comprendre maintenant, lorsque les Écritures disent dans Apocalypse chapitre 19, nous allons juste dire ça aussi, chapitre 19, il nous dit, voilà donc, il dit, au verset. On va lire à partir du verset 7, il dit. Apocalypse, verset 8. Réjouissons-nous et soyons dans la détresse et donnons du gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car les femmes, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. 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 Et cela nous conduit quelque part dans le livre des Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Regardez cela, il y a quelque chose de très important. Éphésiens, au chapitre 2. Nous lisons ici. Regardez.
Merci, gratitude. Et Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as vraiment aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a aussi ressuscités ensemble. Vous savez, j'aime bien quand nous lisons les Écritures, bien que vous les connaissiez bien, que ce soit, soit vraiment en vous, ne faites jamais cette erreur de pouvoir dire je ne veux pas lire parce que je connais. Je ne vais pas prêter si je sais probablement. Ne faites jamais ça. Quand nous lisons les Écritures, lisez. C'est absolument important, frère, parce que j'aime beaucoup les disciples de Béret. Quand Paul prêchait, il vérifie les Écritures. Alors, c'est là aussi, effectivement, que notre foi arrive à pouvoir maintenant se fonder sur ce que nous lisons. Parce que ce que nous lisons vient de la parole de Dieu. Et c'est là important. Regardez très bien, frère, c'est cette manière dont le Saint-Esprit parle au travers de son serviteur ici. Ici, l'apôtre Paul, un homme de Dieu, il dit, et il nous a rendus à la vie avec Christ. Vous suivez cela? Regardez très bien. Et puis il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc, il nous a ressuscités ensemble. Mon frère et ma soeur, c'est extraordinaire de pouvoir comprendre ce jour, parce que, en fait, lorsque Christ était là, sur ce point, nous étions en lui. Amen. Vous vous souvenez? Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je ne sais pas, vous parlez français, vous connaissez français. Vous suivez, non? Bon, je veux le relire cette écriture. Ce qui est écrit, non? Alors, nous lisons, dit, il nous a ressuscités ensemble. Et dit, et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir. Regardez très bien, frère. La Bible est tellement si merveilleuse et précieuse, et précise aussi. Il n'a pas dit ici qu'il nous ressuscitera ensemble. Non, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Écoutez bien, il n'a pas dit, et il nous fera asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Non, il dit, et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Donc, c'est une œuvre qui a été accomplie. Amen. Et quand le Seigneur l'a accompli, effectivement, pour lui, c'est fait. Amen. Regardez, frères et sœurs, regardez la suite. Il dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, nous? Nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Amen. Sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et aux promesses. C'est vrai, nous? Amen. Maintenant, regardez la suite. Il me dit, mais car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc, cela, le Seigneur, notre Dieu, l'a fait. Vous vous souvenez où s'est trouvée Ève? Ève était dans Adam, n'est-ce pas? Et où s'est trouvé Adam? Adam était dans le jardin où Dieu l'avait placé. Et Adam s'occupait effectivement de tout ce que le Père voulait qu'il fasse. Et c'est Dieu lui-même qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu là avait placé quelque chose d'important dans l'homme, qui lui apporterait effectivement la joie, la paix et le plaisir, effectivement, de vivre dans ce bas monde, effectivement, en étant avec ce que Dieu lui aurait donc accordé. Et c'est Dieu qui a réellement fait sortir Ève, effectivement, de Adam. Ce n'est pas Ève qui s'est fait la femme d'Adam. C'est pourquoi vous, sœurs,
cessez de courir après les gens. Alléluia. Amen. C'est pas digne d'une seconde. Ce ne peut pas être digne d'une seconde. Une sœur doit être une sœur qui se réserve. Amen. Amen. C'est absolument nécessaire, important. Je ne crois pas que c'est. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est absolument nécessaire et important, frères et sœurs, que nous comprenions, que nous sachions qui nous sommes. À moins que vous soyez vraiment des réprouvés. Votre attention ce matin, je la veux. Ne faites pas perdre le temps. C'est comme vous autres. Si vous ne croyez pas en Dieu, alors allez là où vous sentirez peut-être que là je peux. Parce que si vous croyez en Dieu, croyez-le. Amen. 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 N'est-ce pas le même Dieu qui dit de vous inquiéter derrière? Amen. Donc, je me pose la question, cette foi dont vous parlez, nous avons foi en Dieu. Elle est basée sur quoi? Sur ce que vous pensez de Dieu, sur ce que vous imaginez de Dieu. Quelle est donc cette personne aujourd'hui? Je ne sais pas moi. Que ce soit un frère, que ce soit une sœur. Qui peut croire, qui peut prétendre aujourd'hui dire que Dieu est incapable de faire quoi que ce soit dans sa propre vie? Qui croit vraiment que Dieu a la capacité? Amen. 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 Tout puissant. Amen. Amen. Dans sa propre vie. Mon frère, si tu le crois, ma soeur, si tu le crois, sache une chose, que même pour ton mariage, que même pour ton travail, que même pour ton habitation, que même pour tes vêtements, le Dieu en qui tu as pour tous tes besoins, il y a aucune chance que Dieu peut te refuser. C'est Dieu pour les frères et soeurs. Matthieu chapitre 6 les dit. Il dit, ce sont les païens qui se tourmentent pour cela. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Est-ce que Dieu ne sait pas que toi, frère, tu vas avoir une femme? Dieu ne sait pas que toi, seul. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Amen. Amen. Est-ce qu'il devient aveugle aujourd'hui? Est-ce qu'il devient vieillard? Il ne change pas. Dieu est Dieu de sa parole. Alors, au nom de Dieu, par ta foi. Amen. Vous insultez Dieu, vous le méprisez, pourtant vous chantez. Amen. Votre façon d'être devant lui, vous méprisez Dieu, vous déshonorez le Seigneur. Ah, nous croyons en toi. Mais non, vous êtes comme des prostituées qui courent dans la rue. Hein? Vous pointez du doigt les gens de la gare du Nord, mais vous êtes pire. C'est vrai. Merci, frère. Nous avons besoin d'avoir confiance en ces lieux. De pouvoir prouver réellement que Seigneur, mais même si aujourd'hui, il y a tellement des exemples des témoignages dans les Saintes Écritures qui démontrent la puissance de ce Dieu. Je reviens toujours à ce même verset. Et la Vierge conserva. Chose impossible. Mais simplement parce que Marie a cru à l'Écriture. Elle a eu un bébé. Sans que l'homme l'approche, elle a eu un bébé. La parole de Dieu a la même puissance, la même autorité. Et si Dieu est capable de pouvoir aussi dans ta vie agir aussi. Et vous savez, vous frères, je ne sais pas moi, vous frères, j'en sais absolument rien, parce que vous faites des acrobaties, j'en sais absolument rien comment ça se passe. Dieu vous connaît. Vous frères, vous sœurs, qui faites des acrobaties comme cela. Et puis quand. C'est pour ça que j'ai toujours dit, sœur, habillez-vous comme il faut. Ne vous mettez pas en saucisse pour que le frère puisse arriver à pouvoir. C'est bien. Il va vous voir en saucisse, il ne va pas bien dormir la nuit. Mais le temps va arriver. Le temps va arriver. Si maintenant vous avez poussé effectivement des choses comme cela, mais vous allez vous marier. Mais si vous n'êtes pas destinés ensemble. Bref. Ce que vous ignorez, ce que vous êtes déjà dit. Quand les gens vous disent, oui, le frère et la soeur peuvent se divorcer, c'est écrit où? Parce que avant de pouvoir aller te marier, il faut bien prier. Quand on vous dit, mais le problème aussi, c'est avec vous le seul.
Vous aimez tant, vous serrez dans vos histoires, là, puis bon. Et puis les frères qui ont des yeux, qui sont là, puis bon, les cœurs, blablabla. Quand ils voient ça, ils ne dorment plus. Et puis on dit, mais frère, il faut prier, j'ai prié. Tu as prié, vraiment, j'ai prié. Vraiment. Oh, aidez-moi, aidez-moi. En tout cas, moi, je crois que c'est Dieu. Mais quelques temps plus tard, vous commencez à vous gratter la tête. Vous avez toutes ces choses-là que vous avez mis là-dedans, vous savez, parce que vous avez tendance à pouvoir mettre beaucoup de choses pour pouvoir. Vous savez, soyez proies. Mais ne soyez pas des oiseaux. Sœurs, soyez proies. Mais ne soyez pas comme des oiseaux. Vous savez, je suis triste. Aujourd'hui, tu vois la sœur. Demain, tu la vois plus. Regardez, vraiment, tu dis, mais quel est le visage de ma sœur? Parce que je ne sais plus. Parfois, dans la vie, je peux regarder, je dis, oh, je ne reconnais pas, mais dis, mais c'est ta sœur. Mais parce qu'en fait, hier, elle était comme ça, bébé, avec une banalité. Et puis, demain, elle avait comme ça. Et puis après demain, je n'ai plus très bien voir, mais c'est important, frère. Amen. Vraiment. Soyez quand même vous un certain moment. Amen. Qu'on sache au moins à qui on a fait. Amen. Parce que vous allez amener, c'est bien de faire tout ça, mais celui que vous allez amener en bateau, c'est ce frère-là qui, lui, quand il a vu une banane ici, ceci et cela, il ne dort pas parce que la banane vient. Mais quand tu vas enlever cette banane, parce qu'il va arriver que ça va gratter à ce moment, hein. Ça gratte, et puis tu vas te libérer. Oh! Elle va dire, oh, je ne savais pas, mais qu'elle ne savait pas. Qu'est-ce que tu ne savais pas? C'est ça le grand problème. Donc, c'est nécessaire. Et comme le Seigneur dit, effectivement, il montre ça, il amène. Et c'est Adam qui regarde, qui dit, voici donc, pose sur le chat de ma chair. Donc, il reconnaissait effectivement ce que Dieu lui donnait. En fait, il appartient toujours à l'homme de pouvoir faire le choix. Amen. Vous suivez? Amen. Et puis, cet homme doit être un homme qui a un caractère. Amen. Si, c'est pour ça, frère. Vous savez, vous faites souffrir aussi nos soeurs ici. Oui. Parce que c'est aussi à cause de vous, frère. Que nos sœurs se sont poussées aussi à rassembler, à rassembler aussi aux gens du monde. Parce que quand vous allez faire votre choix, vos critères se basent sur quoi? Surtout le bazar là que les amènent. Parce que vous n'êtes pas encore convertis. Amen. 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 C'est sûr et certain. Vous voyez, un homme qui oblige sa femme, il faut hein, tout ça, ça. C'est qu'au-dedans de lui, il regarde l'autre qui est là. Amen. Il veut transposer l'image de sa femme. Mon frère. Amen. Ta femme est ta femme. Amen. C'est pas l'autre qui est dans la rue. Amen. Et bien quand tu es un fils de Dieu, il y a quelque chose que Dieu a fait de toi quand même. Amen. Tu n'as quand même pas regardé tous ces gens du monde, effectivement, pour les. Alors tu ramènes encore toute la souillure chez toi. Alors autant lui dire, mais écoutez, les colons, jupes, je n'en fais pas, mets tes jambes dehors. Parce que comme ça, tout le monde aussi, comme dans la rue aussi. Si tu commences par cela, tu vas finir par quoi? Donc, vous aussi, frère, en tant que fils de Dieu, vous devez être des hommes de caractère. Amen. Amen. Ne poussez pas nos soeurs, ne poussez pas nos jeunes soeurs à pouvoir devenir comme des chiens dans la rue. Pour dire, ah, il va moi, quand, parce que tu sais, quand tu as laissé, tu vas naturel. Non, mon soeur. J'aime bien quand tu fais les machins là. Et tu es la cause que les jeunes soeurs arrivent à pouvoir maintenant vouloir ressembler à ceux du monde. Parce que tu apprécies ceux du monde par rapport à ici. Or, quand une sœur est naturelle, c'est la beauté que tu veux. Amen. Amen. Et quand même, je n'ai pas dit laisser vos cheveux n'importe comment. Soignez les cheveux. Amen. Vous devez les soigner, c'est sûr et certain. Je n'ai pas dit que demain, laissez vos cheveux. Non, soignez les cheveux, mais soyez naturels. Amen. Naturel. Ne vous comprenez pas à ce qu'un frère va vous dire, ou ceci et cela. Parce qu'il va vous envoyer là-dedans, et demain, il va choisir la prostituée là. Et vous restez esclave de ce démon, effectivement, de pouvoir simplement être dans ces conditions-là. Si Dieu vous connaît, ma soeur, votre attention, tous les frères et toutes les soeurs, je veux votre attention ce matin.
Parce que je ne veux pas après que vous sortiez pour dire, oh, vous savez, j'ai fait, et les pasteurs vous disent clairement ce que la Bible vous dit. Amen. Quand vous allez faire vos histoires là-bas, vous c'est ça le mauvais esprit qui sont dans le fer et dans le sang. Amen. On va faire n'importe quoi dehors, et puis on va imposer que le pasteur puisse le faire, parce que celui-ci, dans sa foi, frères et sœurs, s'il vous plaît, vous portez vos responsabilités, je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Alors ne venez pas, oui, parce qu'il a fait pour ceci. Dieu me conduit à agir. Selon la situation. Amen. Alors c'est pas vous qui allez me dire, alors puisqu'il a fait ceci, il doit faire ça. Chacun a sa situation. Amen. Et Dieu me conduit à agir comme cela. Amen. Alors, puisqu'il a fait pour celui-ci, alors moi je vais faire. Je sers un Dieu qui voit. Amen. Alors, n'ayez pas de prétextes inutiles pour aller faire n'importe quoi et me ramener n'importe quoi. C'est que on va voir tel frère, tel dimanche. Il faut que le pasteur fasse. Le pasteur ne va rien faire. Amen. Il ne fait que si conduit par l'Esprit du Seigneur à le faire. Amen. Et s'il ne le fait pas, que ça ne vous plaît pas, il y en a d'autres. Amen. Vous pouvez prendre celui que vous désirez, il le fait. Et s'il le fait, il est responsable. Il vous suivra, il fera ce qu'il a pour faire. Moi, je suis responsable de ce que Dieu m'a donné. Amen. De ce que je conduis. Frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué, frère, une brebis qui s'est dit une brebis et qui se sont engagés, il va faire quelque chose de n'importe quoi et dit que c'est mon berger que je connais comme berger? Non, une brebis est soumise à son âme. Une brebis écoute ce que son berger dit. Si c'est un beau qui fera ce qu'il a fait de faire, mais quand c'est une brebis, Alléluia. Parce que si Dieu vous a donné un berger, c'est pour que vous aidez dans la marche du Seigneur. Amen. Vous êtes trop indépendant. Alors agissez selon votre indépendance. Vous êtes responsable de ce que vous voulez faire, effectivement. Mais quand c'est Dieu qui a. Alors, comme la tête, effectivement, comme Ève a été donc prise d'Adam, donc effectivement, tout ce qui était dans Adam, c'était ce qui était dans Ève. C'est vrai, non? Amen. C'est la vérité quand même. L'esprit qui était dans Ève, c'était qui était dans Adam. Amen. Donc, lorsque Adam disait quelque chose, Ève y allait. Alléluia. C'est pourquoi une femme, véritablement une fille chrétienne de Dieu, prend plaisir. Alléluia. Prend plaisir à ce que son mari lui dit. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai, non? Amen. C'est une image quand même qui est transposée, non? Amen. Christ et l'épouse. Amen. Christ la tête. Alors j'ai toujours dit, quand la Bible dit la femme est soumise à son mari, c'est toujours dans le contexte de la parole. Amen. Mais si c'est en dehors de Sainte Écriture, vous n'êtes pas soumise à vous-même. On s'est soumis parce que Christ est la parole. Amen. Mais quand le mari sort de l'évangile, la parole, je ne suis pas soumis. Je ne suis pas soumise à cet homme-là. Alléluia. Et c'est absolument important. Donc, une sœur en Christ, une fille de Dieu ne peut pas se révolter contre son mari dans sa vie. Amen. Amen. Peu importe la raison que vous pouvez avoir. Quand vous avez ça, vous êtes sorti en dehors de la parole. Vous êtes possédé par un esprit de rébellion, un esprit d'insoumission. Vous pouvez tout expliquer. Je connais les Écritures, tu es sorti. Un homme dans un foyer et une femme doit respecter son mari. Amen. Vous dites, frère Léonard, tu exagères? Non. Éphésiens au chapitre 1. Je pense que ça faut bien dire vous. Chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. C'est vrai, oui. Donc le respect, Dieu effectivement a. Quand c'est une fille de Dieu, quand c'est une fille de Dieu, effectivement, elle réalise ce qu'elle est. Parce que jamais le corps de Christ ne peut donner des ordres à Christ. Alléluia. Amen. C'est la vérité ou pas? Amen. C'est la Bible dit, non? Femme, vous êtes soumise à vos maris comme au Seigneur. Amen. Jamais l'Église ne peut donner l'ordre à Christ. Tu dois, parce que toi, frère. Mais si le corps ne peut pas faire cela, à la terre, ce qu'une fille d'Abraham
si elle est vraiment une fille de Dieu, elle est une partie de la parole de Dieu. Amen. Elle connaît sa place. Amen. Même si le mari monte en haut, elle baisse le cœur. Tu peux te justifier comme tu veux. Quand tu montes, la trompette retentira, tu respires. Amen. Parce que l'esprit. Nous allons le voir ce matin, je vais prendre vraiment du temps. Amen. Le voir, parce que l'esprit de la rébellion, peu importe que oh, le prophète a dit, le superintendant a dit, frère, nous avons comme absolu ce que la Bible dit. Amen. Amen. L'esprit de la rébellion, c'est la nature de Satan. Amen. Donc, cette nature, effectivement, c'est pourquoi? Vous remarquerez que Dieu a donné quelque chose de particulier à une femme. C'est la douceur. Amen. Amen. Une femme qui n'est pas douce dans sa façon de pouvoir être parlée les uns avec les autres, elle a un problème. C'est normal cette douceur, cette tendresse. C'est pour ça que vous mettez au monde des bébés, non? C'est vrai, non? Un homme ne peut pas porter le bébé. C'est une femme qui porte le bébé. Je disais autrefois, j'ai dit, même la femme la plus folle du monde, quand elle conçoit, ça va être au champ. Amen. C'est vrai. Mais oui, frère. Oui, c'est vrai. Même le chien le plus méchant, quand elle conçoit, ça va être au champ. Amen. C'est vrai. Il y a quelque chose de tendre, la vie de la personne. C'est pourquoi même, vous avez les frères et sœurs, vous dites frère Léonard, mais n'est-ce pas qu'il est écrit que votre douceur, que votre douceur soit connue. Il parle de l'Église, non? Pas du monde, que votre douceur, pas les agressions, les agressivements. La douceur, la tempérance, c'est la nature de l'épouse de Christ. Transposer cela dans le naturel. Donc l'épouse de Christ doit être douce. Comme lui-même aussi, il est doux. C'est la nature. Hein. C'est la chose qui se transpose, effectivement, parce qu'il est une partie de lui, effectivement, comme l'écriture le dit. Os de ses os, de la chair, de la chair, on l'appelait la femme, parce que. Il a été pris donc de l'homme. Or, on continue dans Ephésiens au chapitre 2, regardez très bien, il dit ceci. Verset 8, il dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est de foi-là que tu as, mon frère et ma soeur. Ne vient pas de ton père ni de ta mère, n'est pas hérédité. Donc, c'est un don qui vient de Dieu. Amen. Donc, ton papa peut être pentecôtiste. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce d'avoir la foi biblique. Pour croire, effectivement, comme les saints qui tout disent. Peu importe ce que lui peut croire. Mais toi, quand Dieu t'appelle, il te donne une grâce d'avoir la foi. Et cela est un don qui vient de Dieu pour croire. Elle est cette foi, effectivement, elle a été donnée. Pour croire aux saints écritures. Vous voyez, c'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez comprendre que si cette foi, elle est donnée par Dieu, elle te conduira vraiment à croire la vérité. Amen. Et à demeurer dans la vérité. Alléluia. N'est-ce pas qu'il nous a dit qu'il n'y a qu'une seule foi? Alléluia. Vous croyez? Amen. Un seul Seigneur. Amen. Un seul Esprit, un seul baptême. Amen. Donc, si c'est une seule foi, c'est vraiment celle que Dieu donne. Amen. Autrement, c'est une foi imaginaire que nous recevons simplement par la force de pouvoir entendre quelque chose avec les religions. Mais ce qui est de Dieu, elle est un don que Dieu te donne. Amen. Et cette foi, elle s'édifie davantage sur la parole que tu entends. Amen. Comme la Bible dit, mais la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Et s'accroche à cette parole davantage.
Vous direz, mes frères, nous connaissons cela, mais pourquoi tu insistes sur ce point? J'insiste sur ce point parce que dans Matthieu, au chapitre 7, le Seigneur dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Il dit, mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils pouvaient prétendre avoir la foi, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez encore dans 1 Corinthiens au chapitre 13? Vous voulez le lire avec vous rapidement? Regardez bien. Un Corinthiens chapitre 13, verset 2. Et quand j'aurai les dons de la prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, il y a la foi et la foi. Celle qui vient de Dieu. C'est celle-là qui te sauve, toi. Amen. Dis, mais tout ce que Dieu m'a donné, vient donc à moi. Et mes brebis entendront ma voix. Et ils me suivront. Ils vont sortir, effectivement, je les trouverai. Regardez, on continue. Il dit, donc, il dit, ça ne vient pas de vous. Donc, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que, oh, mon grand-père et mon arrière-arrière-grand-père étaient donc pentecôtistes, ainsi de suite. Alors je fais ce que Pentecôte veut faire, effectivement. Non, non, non. C'est la grâce que Dieu t'a accordée. Amen. De pouvoir être sauvé, de recevoir cette foi, et que tu sois réellement sauvé. Autrement, tu te diras, je suis parvenu à être au ciel, c'est parce que moi seul, je fais. Qu'est-ce que nous pouvons faire bien? D'abord, premièrement, il n'y a rien de bon en nous. Tout ce que nous concevons, tout ce que nous pensons, mais que soyez en Dieu. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, regardez le suivant. Il dit ceci. Verset 10. Je voudrais que vous prêtiez maintenant attention à cela. Il dit, car nous sommes sous l'ouvrage. Vous l'avez déjà entendu, je vais vous prêter. Il dit, nous sommes donc sous l'ouvrage. Donc, son ouvrage, c'est-à-dire, nous sommes l'œuvre que lui a faite. Maintenant, regardez très bien, frères et sœurs. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous avez remarqué, frères et sœurs, qu'au chapitre 2, verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses. Donc nous étions effectivement comme des rebelles, effectivement, ainsi de suite. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu as aimé, effectivement, ainsi. Et là, il nous dit effectivement que nous sommes son ouvrage et a été créé. Et c'est bien, non? Il dit, mais nous sommes ouvrage, et il dit, il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, votre attention. Vous vous souvenez quand Nicodème est venu parler au Seigneur en disant, mais nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le maître le regarde et dit, mais oh, Nicodème, il dit, mais si un homme est de nouveau, Alléluia. Il ne peut même pas entrer et comprendre les choses. Il faut donc être de nouveau. Donc, pour comprendre les choses de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut une nouvelle naissance. Amen. Et la Bible nous fait savoir que nous avons été créés en Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu as été créé de nouveau, tu as expérimenté une nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, quel était le but de Dieu pour toi? Pourquoi est-ce que Dieu t'appelant, il a manifesté en toi la nouvelle naissance? Et vous l'avez entendu en maître. Je voudrais que ce matin, vous prêtiez attention. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu manifester cette nouvelle naissance en toi? Et la Bible dit clairement, effectivement, dit, mais nous avons été créés en Jésus-Christ. Frère, il faut que vous ouvriez vos oreilles pour que vous ne continuiez pas à vous tromper continuellement vous-même. Vraiment.
Si un homme est né de nouveau, dit que un homme ou une femme, effectivement, qui de tout son cœur a reçu la grâce d'abord, va recevoir la foi de Dieu. Pourquoi? Oh, celui que Dieu envoie. C'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit que il est venu chez les siens. Bien. Tous ceux qui étaient des croyants là. Ici, ils étaient des grands praticiens. Les œuvres de Moïse, effectivement, de la loi de Moïse, ils y étaient accrochés là-dedans. Lorsque l'excellence des excellents est arrivée, lorsque le parfait est arrivé, la Bible dit, ça a été un choc. Il est venu chez ceux-là qui avaient la connaissance de choses, effectivement. Ils avaient la religion que le monde n'avait pas. Parce qu'ils avaient la parole. Le rite, et ainsi de suite. Mais quand il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Et à toi qui l'as reçu. Et à toi qui crois réellement en son nom. Dès que tu le reçois, tu crois vraiment que ce nom-là est au-dessus de tout le monde. Et que dans les noms dans lesquels je me trouve ici, il n'y a pas aucune autre puissance. Frère, j'ai vu cela, mon frère. Alléluia. Si je vous raconte cela ce matin ici, Bible en main, vous ne le croirez même pas. C'est la vérité, frère. Ailleurs, c'était au milieu de la nuit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Pas dans trois semaines, mais entre la nuit du samedi et dimanche, c'est vrai, frère. Dieu que nous servons, il est vivant. Amen. Amen. La Bible que nous avons, frère. La parole de Dieu que nous avons. Oh, frère. Alléluia. Oh oui. C'est une puissance. Amen. Alléluia. Et l'autorité que nous avons, frère. Alléluia. Elle est au-delà. Amen. Ce que toi, mon frère, ce que toi, ma soeur, tu peux imaginer. Alléluia. Dis à ceux qui croient en son nom. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a aucun autre nom. Alléluia. Donc, moi, je crois de tout mon cœur qu'il peut être au-dessus. Mais c'est ce nom qui nous a été donné. Le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu, vous croyez en lui. Alors la Bible dit, alors vous avez reçu le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce pouvoir que le Dieu Théo te donne droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Et l'Écriture t'éclaire encore, frère, pour que tu n'aies plus l'ombre d'un doute. Amen. Il dit lesquels sont les. Alléluia. Alléluia. Amen. Ni de la chair, ni du sang. Alléluia. Mais ils sont nés de Dieu. Amen. Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, pour quel but? Si lui, en tant que fils, il est venu dans ce monde ici, ce n'était pas pour des aventures. Non. Il y avait bien un but, mon frère. Alléluia. Alors, si toi aussi, tu es né de Dieu, il y a certainement un but précis. Amen. Pour lequel tu as fait que toi, tu deviennes fils. Amen. Que toi, tu deviennes fille de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez vraiment la vérité, et la vérité vous affranchira. Frère, vous ne serez plus jamais esclaves. Amen. Alléluia. Mon frère et ma soeur, les démons s'agenouillent. Vous ne serez jamais esclaves de rien lorsque vous savez. Qui vous est Amen. De ce que Dieu a fait de vous, Amen. Mon frère. Dieu bénit le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit le Seigneur. Amen. Frère, si je vous racontais, vous ne croirez vraiment pas, frère.
Mais nous avons un puissant Seigneur. Amen. Il n'y a aucun démon, aucun esprit. C'est la vérité. Nous avons la puissance. Amen. Alors le chrétien nous fait savoir, il nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que toi qui auparavant avais une vie souillée, avais une vie qui, vous savez, par cette nature que nous avions, nous faisions n'importe. Par notre caractère, par notre façon d'être, mais partout où nous passions, nous laissions simplement des traces de. Vous savez de quoi? Des traces de quoi, vous savez ça? Nous étions enfants de la rébellion, de la colère. Partout où nous passions, nous laissions quoi? L'inimitié. La haine. Parce que nous avions une mauvaise sémence. Par notre caractère. Par notre nature. Parce que nous étions, nous ne pouvions donner que ce qui était en nous. Si tu n'as pas la paix, comment vas-tu donner la paix à quelqu'un? Si tu n'as pas l'amour, comment vas-tu donner l'amour à quelqu'un? Regardez, frère, c'est ça. La Bible dit une chose. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous connaissez ça. Il nous dit, nous allons voir, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Suivez cela. Amen. Donc si quelqu'un est vraiment en Christ, si toi frère, si toi soeur, parce que tu t'appelles soeur, tu t'appelles frère, nous sommes devenus frères et soeurs en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est devenu? La Bible dit, mais cette personne est devenue une nouvelle création. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les choses anciennes, donc les choses anciennes sont passées. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes morts avec lui en terrain ce que nous étions dans le passé. Amen. On nous a ressuscités ensemble avec lui. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Amen. Et il nous a fait asseoir le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Il a fait asseoir qui? Amen. Frère, ce n'est pas toi, mais l'homme nouveau. Amen. 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 Bon frère, pas les vieil homme. Non. Parce que ce vieil homme, c'est con. Alléluia. Ah oui, mon frère et ma soeur. Donc, cette nouvelle création maintenant, comme la Bible dit, les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi il nous dit dans Ephésiens chapitre 4, je le dis encore, l'Écriture dit, il dit ceci, verset 20, il dit, vous connaissez l'Écriture, verset 17, vous connaissez cela aussi, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si vous, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, lui égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé à l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Amen. Les choses anciennes sont passées, mais c'est ça qui dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Amen. Et que chacun de vous parle sur la vérité à son prochain. Amen. Car nous sommes membres des uns des autres. Alléluia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Amen.
Que le soleil ne couche pas sur votre bonheur. Ne le passez au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Alléluia. Mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attisez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Dans les choses anciennes. L'hypocrisie, l'essentiel, c'est cela. Entre nous, toutes ces choses anciennes sont passées. Frères et sœurs, un fils de Dieu, une fille de Dieu, les nouveaux ne peut pas les ramasser dans la poubelle. Amen. Non. Amen. Non. Non, 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 non. C'est pas possible, frère. Parce qu'un homme qui a été lavé ne doit pas dans le poubier. Dieu t'a nettoyé de ces choses. Il t'a lavé, mon frère. Tu ne peux plus le ramasser. Non, 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 non. Ça, c'est pour les païens. Toi, tu es un fils. Amen. Oh, mon frère et ma soeur. Ne vous trompez pas vous-même, soeur. Parce que le chemin de ma foi ne va pas dire, je ne pourrai pas aller parce que tu sais que si ton cœur te condamne, Dieu plus Amen. Tu peux me tromper, pas Dieu. Amen. Et puis ton cœur à toi, il sait. Amen. Vraiment. Alors, aussi longtemps que Dieu te donne le temps de la grâce. C'est encore un temps où mon frère et ma soeur, il n'est pas encore trop tard. Parce qu'il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Si ton cœur est toujours double, si ta langue est toujours blablabla, si nous, nous ainsi à cause de ma soeur et mon frère, il y a quelque chose que Dieu a préparé de bon pour toi. Amen. 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 C'est ce cœur nouveau. Amen. Un cœur droit. Vraiment. Je dis que toute la mer, tout ceci, tout cela, non, changez, c'est dit, mais renoncez à cela, mais parce que ce n'est pas votre nature. Hier, vous aviez cela en vous. Mais puisque celui qui vous a appelé vous a accordé sa grâce et sa miséricorde, maintenant, vous êtes une nouvelle création. Et a été créé. Mon frère et ma soeur, la femme, Ève, qui a été tirée de Adam, elle est un être humain. Normal, n'est-ce pas vrai? Ayant la nature humaine, n'est-ce pas vrai? C'est la vérité, non? Amen. Donc, Amen. Cette femme était une femme naturelle. Avec les habitudes naturelles. Vous croyez? Amen. C'est vrai, non? Parce que Ève était quand même naturelle, non? Amen. Un être humain naturel, non? Donc il vit naturellement. Je suis certain. Mais maintenant, il nous est parlé dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Verset 44. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Amen. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Est-ce que vous avez ça? S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. Vous suivez? Donc, Ève a été tirée. Adam. N'est-ce pas vrai? Okay. Alors ici, on nous parle effectivement du premier Adam. En référence à celui dont
Nous avons dans la Genèse, effectivement, dont l'Écriture nous montre effectivement comment c'est passé pour son épouse, en réalité, où il était. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais là, on nous parle du dernier Adam. Donc, la Bible nous fait savoir ici, devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Alléluia. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Dieu est vraiment parfait. Amen. Oui. Hein. Le premier homme tiré de la terre est vraiment terrestre. Amen. Le second homme est le Seigneur du ciel. Amen. Terre et les terrestres, elles sont aussi les terrestres. Amen. Donc avec le même sentiment qu'il avait sur la terre, effectivement, Ève devait avoir le même. Puisqu'il est tiré de l'homme ainsi. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cette épouse naturelle, effectivement, Ève, Adam, effectivement, elle devait agir naturellement dans la condition naturelle, effectivement, parce qu'elle était naturelle comme son mari naturel. L'harmonie était dans le naturel, n'est-ce pas vrai? Amen. La vérité, non? Amen. Mais ici, on nous dit que les seconds, donc, les seconds, on nous dit, effectivement, on dit, au verset suivant, on dit, le premier homme tiré de la terre et terrestre, le second homme est le Seigneur du ciel. Amen. Il dit, terre et les terrestres, telles sont aussi les terrestres. Alors, terre et les célestes, elles sont aussi les célestes. Amen. Alléluia. Amen. Si le pot que nous sommes tirés est esprit et spirituel, est-ce que vous suivez cela? Amen. La terre est esprit et spirituel, effectivement. Alors, quel sera donc le corps qui est l'épouse, effectivement? Elle sera aussi spirituelle. Amen. 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 Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas le frère que vous regardez. Suivez, s'il vous plaît. Je surveille les temps pour vous, mais je vous ai prévenu. Mm-hmm. Amen. Je vous ai prévenu. C'est pourquoi ce n'est pas le frère que vous regardez. Ce n'est pas la soeur que vous regardez. C'est ce qu'il y a. Amen. 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 Ça, c'est l'enveloppe. Pour briller dans le monde naturel. Mais Dieu dit, nous sommes fils de Dieu. C'est pas ça qui est fils de Dieu. C'est ce qu'il y a là. Amen. Amen. Ça, ça retourne à la puissance. Amen. Amen. Ça, c'est pas éternel, ça. Non. Ce qui est éternel, c'est ce qui est éternel. Amen. C'est pourquoi l'homme nouveau, cet homme nouveau, il est plus important que vous ne pourrez l'imaginer. Oui, la création, l'homme nouveau, cette nouvelle, quand on parle de la nouvelle naissance, mon frère et ma soeur, il faut que tu puisses t'examiner, te poser la question, est-ce que ce que la Bible dit en rapport avec l'homme, je le suis, je le retrouve, ou bien je suis comédien ou comédienne. Parce que les pharisiens, il y en a beaucoup. Ouais, vraiment. Vous savez qu'un pharisien, quand on l'a disait, tu ne peux pas faire ça. Chez les pharisiens, dans notre. Ouh là là, tu trouvais tout était pharisien. Tu ne peux pas t'approcher de ça. Tu ne peux pas te faire pharisien. La loi dit. La loi dit. Donc, ces hommes-là, quand tu les voyais, même pas trouvé à pouvoir répondre. C'était des hypocrites. Amen. Amen. Le chemin, le prophète a dit, il ne faut pas approcher là. Il ne faut pas faire ceci. Pas de problème. Et ce qui est plus important, mon frère et ma soeur, c'est ce que tu dégages comme Amen. Vraiment. Amen. Qu'est-ce que tu dégages comme parfum? C'est ce que je veux savoir. Toutes ces citations, c'est bien de les connaître. Tout cela, c'est très bien. Mais je veux savoir
Qu'est-ce que tu dégages comme parfum? Le Seigneur l'a dit depuis le début. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas cacher. Depuis le début. Il dit, lui-même, il est venu dire, on reconnaîtra l'arbre. Pas par la beauté de tout ce feu, mais par des guirlandes, je dis, on reconnaîtra l'arbre par quoi? N'oubliez jamais. Qu'est-ce qu'il porte comme fou? La bouche ici, elle parle beaucoup. Amen. La bouche ici. Et pour ça, frères et sœurs, surtout, il y a aussi des frères qui sont comme des femmes. C'est vraiment triste, frère. Je ne peux pas comprendre ça. Toi, vraiment, un frère. Qui blablabla. Mais c'est quoi dire? Un frère, c'est pas possible. Ta bouche devait exhorter. Amen. Ta bouche devait amener les âmes à pouvoir. Et puis, j'ai pris frère, je reviens encore vers les frères. Il ne faut quand même pas voir que toutes les sœurs sont quand même des femmes qui vont prendre comme femmes. Mm-hmm. Est-ce que vous me suivez? Mm-hmm. Et puis, mais tu ne peux pas la considérer comme ta propre sœur. Mm-hmm. C'est ça que la Bible dit, pas ça. Alléluia. Si on attend le silence là, parce qu'on a dit. Oui, c'est ta soeur. Amen. Tu peux parler avec elle comme une soeur, l'aider comme une soeur. Amen. Pas toujours, c'est vrai, je veux. Mais elle a besoin qu'elle ait aidée. Alléluia. Amen. Tu veux m'asseoir à côté d'elle parce que je sens. Mais non, c'est aussi ta soeur à toi. Amen. Alléluia. Elle a besoin que tu lui parles, tu lui donnes la sainte, que la Bible ne dit pas, bon, je parle comme ça pour maintenant que son cœur frère, non, soyons aussi bons. Amen. Et non, naturellement, je lui parle pour qu'elle croit, parce que quand je vois ma soeur croire, là, quel bonheur. Amen. Elle va dire, elle croit, et puis je vais. Oh. Amen. Oui. Amen. Parce que, allez, faut pas s'approcher, mais vous avez un sérieux problème pour même. Amen. Alléluia. Les pharisiens, ces gens-là, vous ne pouvez pas parler voir tout près. Oh, Moïse a dit, mais c'était des mauvais. Le Seigneur a dit, mais oh là, hypocrites. Ils sont hypocrites. Sépulcre blanchi. Il veut que les gens voient, ils ne s'approchent pas, ils ne touchent pas. Mais au-dedans, c'est un démon. Un démon. Je n'ai pas dit maintenant que demain, maintenant, vous pouvez mettre, faites venir, inviter, soeur. Non, non, il y a un équilibre. Amen. 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 Dieu que nous servons est un Dieu. Amen. C'est comme mon Dieu. Oh, je ne vais pas m'approcher, vous savez, cette femme-là, on va me voir, moi, frère, elle m'approcher. Frère, si toi, tu ne l'approches pas, tu n'annonces pas l'évangile, comment elle va quitter ce qu'elle dit? Non, parce que le message, elle dit pas pour quel message. La Bible me montre que les Seigneurs allaient vers la femme prostituée et allaient au bout. Peu importe ce qu'on pouvait penser, elle était prostituée, non? Si on la voyait avec la personne, elle dit, oh, votre maître, je l'ai vu. Il ne s'occupait pas. Ils sont foutus. Moi, je veux que cette âme soit sauvée. Amen. Eh, sortez du catholicisme. Sortez des dénominés. Sortez de tout système. Amen. Laissez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que nous servons le Dieu vivant. Donc, une nouvelle création, comme le Sainte Écriture nous le fait savoir, Dieu l'a fait pour un but. Toi qui étais réellement mort, nous qui étions morts par nos offenses à cause de notre vie, que nous menions, quelles sont donc les choses que nous faisions? C'était simplement la nature, effectivement, de la perdition et tout cela, nous conduit directement à la paix. Maintenant, nous sommes venus en Christ. Quand je suis sincère de tout mon cœur, je le reçois vraiment. Je l'accepte comme mon sauveur personnel. Mon frère et ma soeur, vous ne sortirez pas ici la même personne. Amen. Vous savez, je vous ai rendu mon propre témoignage parce qu'on peut dire que c'était un comédien. Je ne suis pas comédien. J'étais jeune comme la plupart de ceux qui sont ici. J'ai aussi les mêmes désirs que tout le monde. Je ne pouvais pas m'enseigner en disant, oh, il comprend, mais les autres disent, mais oh, lui, il est vieux, il est ceci, pas de problème. Mais j'étais aussi jeune. Amen. Depuis que j'étais jeune, dans ma jeunesse, j'avais toujours ça. Amen. Donc, par où vous voulez passer, je suis passé. Amen. Alors, remarquez une chose, qu'est-ce que je te dis? Remarquez une chose.
Ce que lorsque vous ouvrez votre cœur au Seigneur, j'étais ce jour-là dans une église. J'étais assis, je venais, je dis, oh, vous savez, il parle des gens, je suis encore jeune, moi je ne vais pas donner mon cœur au Seigneur. J'ai encore beaucoup de choses à faire, j'avais des plans. J'avais des plans. Oui. C'est, quand on est jeune, on a beaucoup de plans. On ne veut pas s'élancer dans les choses de vieux parce que c'est pour le vieux. C'est vrai, oui. Et Dieu m'observait. Ce jour-là, j'étais assis dans un banc et tout à fait là, en disant, bon, qui termine vite sa réunion et puis moi je m'en vais. Et la personne qui était venue, il n'a même pas prêché vraiment. Hein. Il a pris simplement la Bible. Vous connaissez l'écriture? Matthieu, 25, je crois, c'est cela. Oh là 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 là. Quand il a dit, vous connaissez l'écriture? Lorsque le Seigneur Dieu qui viendra dans son règne, à son trône, effectivement, il mettra les bons à sa gauche, les brebis à sa droite, il dira à ceux qui sont à droite, allez, soyez bénis, soyez bénis, bénis la vie éternelle. Et à sa gauche, allez dans le feu, qui lui fait un point. Je suis devenu juste. J'ai dit pardon. Il va revenir. Parce que pour moi, c'est dans les futurs lointains. Et pour lui, si je le rencontre quand je mourrai. Mais là, j'entends qu'il va venir. Ça, je l'avais jamais su. J'ai dit, mais s'il vient maintenant, je ne vais pas le tromper. J'ai dit, mais je serai où? Je savais, avec les bouts. L'enfer m'attendait de faire. C'est la vérité, frère. J'ai dit, oh là 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 là, je ne veux pas aller à l'enfer. Seigneur, aujourd'hui même, j'attends même pas l'appel à l'hôtel qui va accepter. Non! Maintenant même, je t'accepte comme ça. Amen. Amen. Mon cœur a été tellement touché qu'il se trouvait boum! Mes yeux sont ouverts. Je suis sorti changé. Amen. Vraiment. Depuis ce jour-là, mon cœur attaché à Dieu. Je suis rentré chez moi à la maison, j'ai cherché la vie, j'ai commencé à jeûner sans que personne me le dise. Parce que le cœur a été touché. Amen. Quand ton cœur reçoit véritablement le Seigneur, frère, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Vous vous souvenez encore, je vous ai raconté ici ces témoignages en fait de ces directeurs là-bas aux Philippines. Je reviens des Kabat-Baran où le Seigneur avait réellement guéri et sauvé les malades. Guéri les malades, sauvé les prédits, effectivement, et puis je suis rentré. Tu dis, mais frère, mon bien-aimé frère, tu vas prêcher à ma place parce que je suis tellement fatigué. Et je comptais sur le frère, j'arrive en bas, le frère n'est pas venu. Il dit non, frère, tu sais, là-bas, ils ont besoin de toi, pas de moi. Je croyais qu'il plaisantait, parce qu'il m'avait vivement prié pour les malades et prié très épuisé. Il dit, mais il va m'aider, tu es sincère, il va m'aider. Non, le frère, ton renom, non, il dit non, il vient en retard. Je descends en bas, je trouve tout le monde attendait. Et puis je tourne à droite, à gauche, je ne vois pas le frère. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas comment je suis tellement fatigué. C'est la vérité, frère. Bon, on chante les cantiques, il va arriver d'être avant la fin des cantiques. J'espérais tout cœur. Parce que j'étais vraiment épuisé. Et j'entends des cantiques, effectivement. Et le frère qui dit, bon, frère, il fait ça, tu veux bien passer. Bon, j'ai dit, Seigneur, je tourne à gauche et à droite, je ne vois personne. J'ai dit, bon, Seigneur, moi, c'est mon tour. Et c'est mon bureau de la chaîne. Avec toujours ma Bible, anglaise, là. Et j'ai dit, bon, là, je commence à parler, puis j'ai prié, puis j'ai dit, j'ai sauté sur le Saint Écriture. J'ai dit, mais le Seigneur Jésus-Christ dont je parlais. Quelque chose s'est passé. J'ai dit, il est ici maintenant. J'ai dit, lèvons-nous et prions. Et pendant que nous prions, j'entendais des cris, des pleurs et des larmes, effectivement. Les gens pleuraient. Et puis, j'étais bien de pouvoir prier. Je suis allé m'asseoir. Quand je sors maintenant, les frères disent, non, tous les frères veulent te serrer la main. Ils se sont mis en ligne comme ça. Puis moi, fatigué, je voulais aller dans ma chambre pour dormir. Et je m'avançais là, je serre la main, les larmes, les gens pleuraient. Et dès que Dieu vous bénisse, puis j'arrive, c'est un autre comme ça. Il pliait ses genoux pour ses genoux. Il dit, s'il te plaît, frère, pour l'amour de Dieu. Ne fais pas ça, je suis un homme, qu'est-ce qu'il y a? Et il a dit, lève-toi. Puis j'ai serré les autres vêtements, je prie vite dans ma chambre. Le lendemain matin, je descends en bas, le frère. Attendez, va pas son bébé, me chercher en voiture. Il me servait en bas. Et puis il me dit, il ouvre la portière, je rentre, il me dit, mais frère, je peux te parler? Je dis, oui. Il dit, il y a mon directeur qui est en haut là-bas. Je dis, oui. Il dit, le directeur demande s'il ne peut pas venir. Partir aussi avec nous là-bas parce qu'il veut te reposer. Il n'y a pas de problème qu'il descende. Moi j'étais ignorant. Hein. Et puis il descend là. Et puis il ouvre la porte de ce côté-là. J'étais à ce côté-ci. Il rentre et puis il me regarde. Il me dit, est-ce que je peux vous parler? Je dis, mais puisque vous êtes là, parlez-moi. Il dit, quelque chose s'est passé. J'ai dit, quoi? Il dit, regardez ce qui s'est passé. Il dit, cette nuit je n'ai pas pu dormir. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mais. Lorsque j'ai entendu que vous allez encore prêcher là-bas quelque part, j'ai dit, mais il faut que j'aille demain, il faut que je voie demain pour aller écouter encore la parole de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais vous savez ce qui s'est passé hier quand vous prêchiez?
Lorsque vous parlez de la Bible, effectivement, j'étais assis, j'étais invité pour la première fois, je suis venu m'asseoir. Mais quand vous avez commencé, c'était comme vous avez, mon cœur était comme un livre ouvert devant vous. Alléluia. Tout ce qui était dans mon cœur, vous le disiez, vous prêchiez, vous parlez doucement. Et puis quand vous avez dit que Jésus, la Bible, vous avez prêché, était là. Nous avons prié, dit, mais vous savez ce qui est passé? C'est Jésus était juste à côté de moi. Il a pris sa main, il m'a touché. Quand il m'a touché, tous les mâles qui étaient en moi, ils sortent. Alors j'ai dit, est-ce que vous l'avez vu? Il dit, mais tout le monde a dit, nous l'avons dit, mais il était ici, il m'a touché. Il dit, quand il m'a touché, tout est sorti. Il dit, j'avais des problèmes avec ma femme d'être sur le point de partir. Quand je suis rentré à la maison, c'était le bonheur. Amen. Alors maintenant, il dit, et quelque chose que je remarque, il dit, mais mon cœur a commencé à palpiter en moi, l'amour de la parole. Tu sais. Je voulais tant écouter la parole, je voulais tant dire, mais est-ce que je suis devenu fou? J'ai dit non, c'est quand il te touche, effectivement, que tu ne peux pas partir. Tu es tout à fait. Frères et sœurs, vous jouez la comédie, vous savez. Vraiment. Mais il y en a de ceux qui sont vraiment saints. Amen. Parce que votre destination, elle est proche, vous savez. Amen. Bientôt, frère, vous ne jouez pas en disant, mais sur la terre, va côté. Non. Paul a vécu sur la terre, il est parti. Pierre a vécu, il est parti. Marthe et Marie se sont partis. Donc, il y a quand même des gens qui sont précédés. Tu ne vas pas vivre éternellement sur la terre. Un jour viendra où le cercueil va s'ouvrir. On te mettra dedans, on va mettre des rivets. La terre s'ouvrira, on te déposera. Tu te vas partir. Là, devant la barre du jugement, qu'est-ce que tu diras? Je ne l'avais pas entendu. Je ne savais pas. Oui, mais je voulais montrer aux autres que je suis. Vous savez, Dieu sait que tu es bon. Quand tu veux faire, je suis spirituel, je suis désert comme ça. Non, sois naturel. Amen. Si tu veux une véritable douceur, elle vient de Dieu. Amen. Je vais me tenir un peu à l'écart pour qu'on voit que je suis spirituel. Ça ne sert à rien. Quand tu es spirituel, tu vis avec Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu, ne vous trompez pas vous-même. Amen. Ne donnez pas la main à Satan. Vous avez plus que Satan. Amen. Ce que vous avez, c'est la vie de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Je t'avais dit, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? La nouvelle naissance, pourquoi? En fait, puisque dans l'ancienne, tu vivais une vie de chien. Les choses que tu ne voulais pas, Satan te poussait. Maintenant, dans la nouvelle, la Bible te dit, regarde ce que Dieu a fait. Puisque tu es né de lui, puisque maintenant tu es une nouvelle création, il dit ceci, verset 10, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc toi qui es né de nouveau, l'objectif de Dieu pour toi, ce que tu pratiques toujours, les bonnes œuvres. Ce que ta vie à toi, qui était hier ténèbre, qui poussait les gens à la haine, à la colère, à ceci, à cela, aujourd'hui qu'elle devienne lumière. Amen. Partout où toi tu passes. Alléluia. Frère, ma soeur, en tant que fils et fille de Dieu, tu ne peux pas laisser le désordre. Amen. 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 Là où tu passes quelque part, il faut que vous alliez, ah, avec cette soeur-là, quel bel cœur. Avec ce frère-là, quelle joie de l'avoir. Parce que quand il passe ou quand il passe, jamais qu'il a parlé de quelqu'un. Jamais ceci. Mais toujours, vous sentez qu'on chante des cantiques. On parle de Dieu. Pourquoi? Parce que votre nature a changé. Ce matin, il a lu, non? Louer l'Éternel. Amen. N'est-ce pas? Amen. Monstre mal. Reptile. Oiseau ailé. Alléluia. Qui loue l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi, mon frère et ma soeur? Parce que l'Éternel a fait pour toi des grandes choses. Amen. Et j'ai critiqué. Frère, je ne peux pas comprendre comment vous pouvez prendre plaisir. Mais ça tue mon cœur. Vous pouvez prendre au prix.
bien que, je ne sais pas, frères et sœurs, quelle nature vous pouvez, Dieu vous arrache de ces démons, vous allez les ramasser dans la poubelle. Vraiment. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Amen. Nous sommes de ceux qui doivent communiquer la paix. Amen. Amen. Et quand je rencontre mon frère, je rencontre ma soeur, ce que je dois lui annoncer, c'est toujours une bonne nouvelle. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Mais le Seigneur m'a envoyé pourquoi? Pourquoi il nous a envoyé? Pour nous recevoir une bonne nouvelle. Amen. 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 Ben, oh, tu sais lui, oh, là, 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 là. Tu brises le cœur. Mais moi, il m'a envoyé pour apporter du beau. Amen. 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 Une nouvelle création à la nature de son Dieu. Amen. Partout il passe, il laisse le parfum de Christ. Amen. Ne vous trompez pas vous-même. Je suis, je suis, je suis. C'est ce que vous dégagez. Amen. Vous savez, je vais lire le dernier que tous les vêtements vous allez prier avec vous. Ça, c'est dans le titre au chapitre 5. Je prends le titre au chapitre 2. J'ai le titre avec vous. C'est le titre ici, je pense aussi. Chapitre 3. Titre chapitre 3. Oh, ça va. Titre chapitre 3. Bon, après Timothée 2, Timothée avec titre chapitre 3, verset 1, dit rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire de personne. D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Notre ancienne nature, n'est-ce pas? Désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns des autres. Ça, c'est la nature que nous avions. N'est-ce pas vrai? Nous haïssant la jalousie. Tu sais, quand on fait l'éloge de l'un, frère, pour l'amour de Dieu. Moi, je prie pour que les dons se manifestent. Amen. Que Dieu en suscite encore davantage. Je serai heureux. Amen. On parle du bien d'un frère. Disant, qu'est-ce que vous voulez, vous? Ah, vous seul, alléluia, gloire à Dieu, vous la seule, vous l'unique seul. Quelle gloire. Vous savez, cette nature en fait de la haine, de la jalousie des uns comme des autres, effectivement, ne viendra jamais de Dieu. Amen. C'est cette vieille nature en fait, que vous allez ramasser dans la poubelle. Que vous vous efforcez de pouvoir encore mettre sur vous. Le Satan ne demande pas mieux que vous ouvrez la porte, qu'il vienne en construire davantage. Mais Dieu vous a dépouillé de ce choses. Nous haïssons et on était d'être haïs. Écoutez bien, écoutez l'Écriture, il dit oui. C'est ce valide, digne d'être haï et nous haïssons les uns aux autres, c'est qu'à dire. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres, Éphésiens, vous savez. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Oh, qu'il se merveille. Par le bain de la régénération, c'est déjà la nouvelle naissance. Vous suivez cela? Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Et puis il nous dit, et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes choses. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Évite les discussions folles, généalogie, ainsi, ainsi. Je continue encore. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. C'est lui, éloigne-toi donc après un second avertissement, c'est lui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce
est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen. 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 Donc vous l'avertissez. Mais mon frère, c'est pas comme ça. Tu es là, tu répands des calomnies et des autres parmi les frères. Que ça stoppe. Il ne veut pas écouter deuxième fois. Amen. Ouais, hein? Amen. C'est important ça, frère. Nous ne sommes pas une poubelle ou ramassée où chacun peut venir déposer n'importe quoi ici. Dans la maison du Seigneur, il faut qu'il y ait l'ordre. Le peuple de Dieu a besoin de vivre. Amen. Il a besoin d'entendre la parole de Dieu, les choses qui l'édifient. Déjà dans le monde, dans les travails, dans les écoles, il souffre. Et il vient encore ici, toi tu deviens la bouche pour pouvoir répandre n'importe quoi. Et alors à ce moment-là, attrister le cœur. Les uns des héros, ils sont attristés. Ils viennent ici pour être aussi consolés. Amen. Non? Amen. Toi tu es encore là, la brique qui vient encore après, encore le poids sur eux. Amen. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit. Amen. Amen. De chaque âme, que nous soyons vrais, sincères, droits et justes dans le sang, qui ne sortent de notre bouche aucune parole mauvaise, quoi que ce soit, mais seulement ce qui édifie, ce qui communique la grâce, la joie, la paix, qui réconforte ton frère. Évitez ces gestes-là. Ça, c'est parce que vous êtes possédé par des mauvais esprits. Sachez-le, frère, avec un tel esprit, vous n'irez pas loin. Vous savez, ce sont des prix que vous avez qui vous alourdit. Hein. Vous accrochez à cela, mais quand l'enlèvement vient, vous ne partez pas. Vous êtes retenu parce que ce démon-là a trouvé son habitation en vous. Irrépréhensible, sans tâche ni rien. C'est une épouse purifiée par quoi? Par la parole, par la vérité de la parole. Sanctifiez-le par la vérité de la parole et la vérité. Amen. Regardez.